Un scénario digne d'Hollywood pour un braquage à l'albanaise. Des millions d'euros dérobés en moins de 5 minutes sur une piste de décollage. Mardi dernier, sur le tarmac de l'aéroport Mère Teresa à Tirana, le vol OS-848 d'Austrian Airlines s'apprête à décoller. Les passagers sont à bord quand quatre hommes masqués et armés débarquent sur la piste à bord d'un fourgon volé. Visiblement bien informés, ils s'emparent de sacs remplis de billets de banque que des convoyeurs sont en train de charger dans la soute. Cet argent, ce sont des devises étrangères. Pour des raisons de sécurité, la banque centrale albanaise refuse de les stocker. Ce vol commercial devait donc acheminer les fonds vers Vienne, en Autriche. En à peine 5 minutes, les braqueurs repartent avec le butin, 2 à 10 millions d'euros, sans que personne ne s'en aperçoive. Ni les passagers, ni l'équipage du vol n'ont été blessés. En fait, ils ne se sont même pas rendus compte de ce qui se passait. Ils n'ont été informés que bien plus tard. Pris en chasse par la police et 2 hélicoptères, 3 malfaiteurs parviennent à s'enfuir. Un autre est abattu lors d'une fusillade. Il avait déjà été condamné pour vol à plusieurs reprises. Comment un tel scénario a-t-il pu se produire? Les malfaiteurs auraient emprunté une voie d'accès réservée aux pompiers pour pénétrer sur le tarmac. En Albanie, la polémique enfle. 3e braquage en 2 ans dans cet aéroport. Le gouvernement a sorti les grands moyens. J'ai demandé à nos militaires et nos soldats d'élite de s'occuper désormais de la sécurité dans l'aéroport. Les enquêteurs cherchent désormais des complices au sein du personnel. Des dizaines d'employés ont été interrogés. Le butin, lui, est toujours dans la nature.